Saviez-vous que chaque ville en Chine est spécialisée dans une certaine catégorie de produits et que connaître ces secrets vous fera gagner du temps, mais surtout beaucoup d'argent Vous serez surpris par ces conseils que de nombreux agents sourcing préfèrent garder pour eux. Des produits électroniques de Shenzhen. Aux meubles raffinés de Foshan, chaque ville cache des trésors. Et des secrets souvent bien gardés. Aujourd'hui, découvrez où et comment trouver les meilleures usines avec plus de 10 villes dévoilées. Et surtout, restez jusqu'à la fin, je vous dévoile en trois points comment une bonne compréhension de la géographie chinoise peut faire exploser vos marges. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, cofondateur Sourcing et agent sourcing en Chine. Nous accompagnons les entrepreneurs et les importateurs dans l'achat de produits en Chine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Commençons par les capitales de l'électronique. Ici, la première question à se poser, quel type de produit recherchez-vous vraiment Pour vos besoins en ordinateur, téléphone, gadgets high-tech, il faudra se tourner vers la Silicon Valley chinoise. Savez-vous de quelle ville je parle Je parle de Shenzhen, bien évidemment. Je vous l'accorde, cette ville est une des plus réputées pour les produits électroniques, mais vous allez découvrir d'autres villes dont on entend beaucoup moins parler. Voyons maintenant ce qui rend Tongkwan si spécial. Tout comme Shenzhen, cette ville est située dans la région de Kuantong et représente un pôle électronique majeur où vous trouverez une grande variété de composants électroniques, mais aussi d'autres types de produits, comme les jouets par exemple. Cette expertise assure la disponibilité de composants de très haute qualité à des coûts très compétitifs, ce qui en fait un lieu idéal pour les fabricants de produits électroniques. Maintenant passons à une autre ville beaucoup moins connue pour les produits électroniques et souvent mise de côté. Il s'agit de Ningbo, où vous trouverez une grande concentration d'entreprises innovantes pour les produits électroniques de haute qualité, mais aussi les composants. Et un des plus gros avantages de Ningbo réside dans les coûts de production plus bas et une logistique ultra-efficace avec son port majeur ce qui en fait une excellente alternative pour les importateurs de composants électroniques. Pour changer de registre, allons maintenant explorer les villes spécialisées dans le textile, la mode et l'habillement. Et savez-vous quelle est la première ville vers laquelle nous allons nous tourner Je suis prêt à parier que très peu en ont entendu parler. Il s'agit de la ville de Tsinghua, située dans une des plus grosses régions de production chinoise, le Zhejiang. À Tsinghua, vous trouverez une multitude de produits de mode très abordables, comme les chaussettes et les collants les sous-vêtements, les vêtements de sport, vous aurez aussi tout type d'accessoires de mode et euh, les vêtements d'extérieur, euh, je pense notamment aux coupe vent ou aux imperméables. Mais ce n'est pas tout. La ville est aussi réputée pour la production d'appareils électroménagers, comme par exemple les robots culinaires, les grippins, etc. Et puis aussi quelques articles de quincaillerie, comme les outils manuels et électriques, je pense aux perceuses aussi, etc. Alors la prochaine destination est une de mes préférées. J'en parle assez souvent. Et si vous connaissez des commerçants chinois en France, je suis prêt à parier qu'une partie d'entre eux viennent de Wenzhou. Sa population est réputée pour être d'excellents commerçants. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce sont eux en majorité qui sont à Porte d'Aubervilliers, les grossistes de Porte d'Aubervilliers, et ce sont aussi eux qui rachètent une majorité de bar-tabas en France, du moins en région parisienne. Bref, tout ça pour vous dire que cette ville est très célèbre pour ses chaussures en cuir de très bonne qualité. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit euh, bonjour à mon ami euh, Yunbo qui vient de Wenzhou qui est à l'université avec moi à Foudan et qui est dans ce business depuis plusieurs années. Donc, si vous recherchez des produits élégants, durables, de bonne qualité, c'est l'endroit où aller. Bien, maintenant, je souhaite m'adresser aux importateurs spécialisés dans le textile parce qu'il y en a pas mal. Est-ce que vous avez entendu parler de la Venise chinoise Il s'agit de Suzhou, célèbre pour sa production de soie, entre autres. Si vous recherchez des textiles raffinés, cette ville a ce qu'il vous faut. La production locale est de grande qualité avec un excellent savoir-faire. De la soie au tissu moderne, Suzhou offre une large gamme de textiles adapté Aux différents besoins du marché. De surcroît, Suzhou est proche géographiquement de Shanghai et bénéficie donc d'une bonne connectivité logistique pour l'exportation de vos marchandises. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des commerçants dans le quartier mythique du Sentier à Paris sont des Chinois. Donc évitez de payer le prix fort en allant sur place à Paris, mais allez plutôt à la source comme ces mêmes commerçants et retenez bien cette ville, Suzhou. Pour en terminer avec les produits de tendance et mode, parlons rapidement de Tanyang. Qui est un centre majeur pour la production de lunettes de soleil, mais aussi idéal pour les accessoires de mode tendance. Bien, avant de conclure, je vais vous présenter cinq autres villes avec leur spécialité unique. En premier lieu, parlons de la fameuse ville de Foshan dans la région de Guangdong, spécialisée dans les carreaux de céramique et les meubles. C'est un choix idéal pour les projets de décoration intérieure ou alors même de construction. En second lieu, je vais vous proposer une alternative pour les chaussures en cuir d'excellente qualité parce que je vous vois tous venir et déjà chercher dans la ville de Wenzhou. N'oubliez pas de diversifier vos recherches avec Huaychou qui propose aussi des chaussures en cuir d'excellente qualité. C'est une ville à privilégier pour des produits durables et bien conçus. Bien entendu, Yiwu est aussi une ville clé pour votre sourcing. Vous avez entendu parler de ce marché ouvert toute l'année, c'est une ville connue. Vous trouverez sur place tout type de produits. Alors attention, je vous rappelle que sur place, 80% des fournisseurs sont des grossistes. Alors l'avantage, c'est que vous pourrez commencer avec des petits MOQ, donc des petites quantités de départ. L'inconvénient, c'est que si vous souhaitez personnaliser des marchandises, ce sera plus compliqué. Vous n'aurez pas de mise en relation avec le fabricant directement. En d'autres termes, votre fournisseur sur place à Yiwu sera un intermédiaire entre vous et l'usine chinoise. Comment citer toutes ces villes sans parler de Chongshan L'un des plus grands producteurs de produits d'éclairage au monde. 70% des produits luminaires mondiaux sont produits sur place. D'ailleurs, je vous invite à visionner la vidéo sur la chaîne où nous avons été reçus par le maire de Kucheng, qui est un district dans la ville de Chongshan, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec les usines locales. Et pour en finir, je vous dévoile la pépite cachée dont personne ne parle Chongqin. Où vous allez trouver plusieurs types d'usines. Ça peut concerner les appareils de cuisine et les ustensiles. Vous trouverez des usines pour les produits de bricolage et les outils, pour les articles de papeterie et les fournitures de bureau aussi, mais aussi pour les véhicules à 2 ou 4 roues. J'ai eu l'occasion de rencontrer une des plus grosses usines chinoises à la foire de Canton avec des modèles motocross similaires à la fameuse marque Suron, d'excellente qualité, mais surtout à des prix imbattables. Donc voilà pour cette vidéo et comme promis, voici en trois points dans quelle mesure ces informations vous permettront d'optimiser votre business. Le premier point, c'est l'économie sur les coûts de production en choisissant des fournisseurs locaux. En vous concentrant sur des villes spécialisées comme Shenzhen pour l'électronique ou Wenzhou pour les chaussures, vous bénéficiez de coûts de production plus bas. Ces villes ont un accès direct aux matières premières. Et à une main-d'œuvre qualifiée, ce qui va réduire le coût global de fabrication. Le deuxième avantage, c'est la réduction des frais de transport en optimisant la logistique. En sélectionnant une ville proche des matières premières et des ports d'exportation comme Shenzhen ou Ningbo pour l'électronique, vous minimisez les frais de transport. Ça simplifie les procédures logistiques de la production à la livraison finale. Et le dernier point, c'est la diversification de vos fournisseurs pour ne pas dépendre d'un seul contact et surtout pour simplifier vos recherches. En explorant plusieurs villes spécialisées, vous pouvez établir une liste de fournisseurs variés pour chaque type de produit. Par exemple, en comparant les fabricants de jouets à Tongkwan et Kwanjo, vous allez réduire les risques des dépendances envers un seul fournisseur et vous augmentez vos leviers de négociation. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aidera dans vos recherches. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. 再见。